highly blessed this night. Nous sommes tellement bénis ce soir. I want to believe God that God brought us. J'aimerais croire que Dieu nous a amenés. You can be seated. Vous pouvez vous asseoir. And if not of God, we wouldn't have been here today. If not of God, si ce n'était pas Dieu, I would not be here today. Je ne serais pas ici aujourd'hui. For the first time I travel on Fridays. C'est la première fois que je voyage un vendredi. It's difficult. C'est difficile. If you tell me to leave my church on Friday, Saturday. Si tu me demandes de quitter mon église le vendredi ou le samedi, Sunday, dimanche, it's difficult. C'est très difficile. But because God wants us to be here. Parce que Dieu a voulu que nous soyons ici. So we are here today. Donc nous sommes là aujourd'hui. And I'm hearing from my beloved brother. Je suis ici avec. I'm hearing from my beloved pastor friend. J'ai écouté de mon ami, mon pasteur. We are sons of the same father. Nous sommes la semence du même père. Our father is Bishop Dr. Maison. Notre papa c'est l'évêque Dr. Emma Isson. So we are sons. Nous sommes des fils. He believes me. Je crois en lui et il croit en moi. And he cannot invite us and we say we will not come. Il ne peut pas m'inviter et je dis je ne viendrai pas. If that happened, God will not be happy with us. Si cela arrive, Dieu ne sera pas content avec nous. What is happening in southern Cameroon? Ce qui se passe au sud-ouest du Cameroun. That is why we left yesterday. C'est pour cela que nous sommes quittés hier. We were to leave this morning. Nous devons normalement quitter ce matin. But if we did that, mais si nous avions fait cela, we would never arrive Bafoussam. Nous ne devions jamais arriver à Bafoussam. They would burn us alive, ou on doit nous brûler vivants. Or they kill us, ou alors nous tuer. Nobody knows what is about what will get to happen. Personne ne devrait savoir ce qui s'est passé. Because from Manfi to Bamenda, no cars are moving, no bikes. Parce que quittons de Manfi pour Bamenda, aucune voiture ne bouge. Aujourd'hui, no cars are moving. Aucune voiture. The whole southern Cameroon. Partout au sud du Cameroun. So if we came to yesterday, it's by God's grace. Donc hier, c'était par la grâce de Dieu. And we are here for few minutes. Et nous sommes ici pour quelques minutes. For that few minutes. Mais pendant ces quelques minutes, there are 7 people that God wants to visit this night. Il y a 7 personnes que Dieu veut les visiter ce soir. And I want to see this opportunity to introduce. I came with my daughter or my son. Je suis venu avec ma fille et mon fils. So it's just that the place is far. We have come at least about 4 of us because we stay for 4-5 days here. But we can carry all to come. Nous devions être 4 d'entre nous, mais nous ne pouvions pas tous venir. I came with Daniel, he said, good, he's placed all instruments. Donc Daniel est un bon musicien, il joue à tous les instruments. He's a professor. C'est un professeur. And the church where I worship, they say, we should extend our greetings to the whole church of Bamsam. And my brother and the wife. And all the leaders of the church. Et l'église d'où je viens m'a demandé de vous saluer. Amen. Mon frère, son épouse et toute l'église. Amen. Amen. So without waste of time, I have just about 20 minutes to be here with you tonight. J'ai 20 minutes avec vous ce soir. In this 20 minutes, please. Et pendant ces 20 minutes, pardon. Let's cooperate. Coopérons. Say, neighbor, can we cooperate together? Dis voisin, est-ce que nous pouvons coopérer ensemble? We came here with a very big God. With a very big God. Nous sommes venus ici avec un très grand Dieu. A very big God. Un grand Dieu. Do you know what happened today in my church today? Savez-vous ce qui se passe dans mon église aujourd'hui? I would have left back to Manfi today.
je serais rentré à mon feu aujourd'hui. What happened? God showed me on Monday. You remember? Ce qui s'est passé, Dieu m'a montré cela lundi. We're praying for this program. Nous prions pour ce programme. And my deaconess and the deacon, the husband, came to church that night. Mais ma diaconèse et mes diacres et son époux sont venus à l'église cette nuit-là. The husband doesn't come for night tarry. Le mari ne vient, n'a pas l'habitude de venir au lieu de prière. At the given time, I just saw him struggling himself entering the mortuary. Je lui ai dit que je le voyais se battre. Je le voyais entrer dans la morgue. Il se battait. Please help me, sir. Help me. I don't have time to waste. Help me, please. Clamez le Seigneur pour elle. It's not easy for a horse to interpret the case. C'est pas facile à l'autre d'interpréter l'invité. But that's how God is doing it. Mais c'est comme ça que Dieu fait cela. Can we pronounce whatever Jesus? Mettons notre main ensemble pour Jésus. What happened today? Ce qui s'est passé aujourd'hui. By all cause, I've gone back. Par tous les mois, je serai rentré sur ma feu. I have to reach or no, I have to go back. Arriver ou ne pas arriver, je serai rentré à ma feu. On that Monday, I called the deacon. I said, "Come, I see you. First thing I said to enter the mortuary." Le lundi, j'ai appelé le diacre. Je lui ai dit, "Je t'ai vu te forçant pour entrer dans la morgue." What is wrong with you, sir? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, monsieur? And the wife wanted to explain. Et la femme a voulu expliquer. I said, "Don't explain." Et je n'explique pas. Let me pray and hand it to God. Que je puisse prier et élever cela à Dieu. And we pray, we ended there. Et nous avons prié à arrêter là-bas. We ended the night tarry. Nous sommes entrés la nuit de prière. Went back home. Nous sommes rentrés à la maison. Today morning, c'est lundi, ce matin plutôt. This diaconess went to church. Cette diaconesse est allée à l'église. To keep the church clean. Pour nettoyer l'église. And there were just two of them in the church. Et elle n'était qu'à deux à l'église. Suddenly, I don't know what happened. Current shocked her. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a été frappée par le courant. She was under current for 15-20 minutes. Elle était elle était électrocutée entre 15 à 20 minutes. The other woman came to rescue her, fell under the same current. La femme qui est venue pour la délivrer aussi tombée électrocutée. And she fell and hit her head on an iron. Et elle est tombée cognant sa tête sur le fer. So she collapsed blood. Alors elle est tombée le sang. Only God can do this. Mais seul Dieu peut faire ça. Somebody was just passing behind the church. Quelqu'un passait derrière l'église. He heard the cry, the shouting. Et la personne a entendu les cris. Il a pleuré. Elle est entrée à l'église, la personne. Who's not even a member of the church? Qui n'est même pas membre de l'église. All this danger. Et il a la personne a vu ce danger. Shouted. Et a crié. From nowhere. Et les gens sont venus de partout. Rescue this woman. On redélivre cette femme. Somebody ran to the meter and put the meter off. Quelqu'un a couru au compteur, a mis le compteur off. And then carry this woman to the hospital. Et a amené cette femme à l'église. Elle a été transportée à l'église. À l'hôpital, plutôt dit. I don't know if you were the pastor of that church. How will you behave? Si c'était toi le pasteur de cette église, comment tu aurais fait? And you have traveled out of town. Et tu es hors de la ville. What would you think? Que penseras-tu? We were to pray this morning. On devait prier ce matin. We just stopped the prayer. God told me, relax, rejoice. Nous avons arrêté la prière. J'ai dit, relaxe-toi, réjouis-toi. When they called me back home, quand m'a appelé de la maison, that is high. It's in the church. Blood is everywhere. Que c'est comme ça à l'église, le sang partout. Call my elders. I said, run to the hospital, and that's what happened. J'ai appelé mes anciens, j'ai couru à l'hôpital. So c'est comme ça que ça s'est passé. Et tu dis connaisses. Alors Dieu a délivré les deux diaconesses. That's why we can be here now. Et c'est la raison pourquoi nous pouvons être là. I see 7 people here. Je vois 7 personnes ici. We will not lay on
on you. God is going to visit you. Nous ne poserons pas la main sur vous, mais Dieu va vous visiter. We don't know that one again. That time has passed. Nous ne connaissons plus l'époque de l'imposition de main, c'est déjà dépassé. All we need is you to cooperate with the Holy Spirit. Tout ce que nous voulons, que vous coopérez avec le Saint-Esprit. I don't need to come to you. Je n'ai pas besoin d'aller à toi. I need to speak God's word and go visit you. J'ai besoin de parler la parole de Dieu, je te visite. I don't know how long you have been delayed. Je ne sais pas pendant depuis combien de temps tu as été retardé. I don't know what has stopped you. Je ne sais pas ce qui t'a arrêté. I don't know who tell you, you will never make it. Je ne sais pas qui t'a dit que je ne pourrai jamais le faire. I came to announce to you that 2017. Mais je suis venu t'annoncer que 2017 is a year of glory. Et l'année de gloire. A year all what the cankerworms stole from your hands. L'année qu'on mangeait les souterrains. It will all be given back to you. Ces années te seront restaurées. I don't know how many people believe this prophecy. Je ne sais pas combien de personnes croient à ce que je viens de dire. I don't know who told you. You're not making a lie. Je ne sais pas qui t'a dit que je ne pourrais pas le réaliser dans la vie. And see what happened yesterday, Pastor. Hier. I have been driving this car for how many years? It has not troubled me like yesterday. Et ce qui s'est passé en hier. Ça fait des années que je conduis ma voiture avec laquelle je suis venu. Mais elle ne m'a jamais touché. Mais c'est qu'elle m'a fait hier. C'est un cas. Pendant que je suis en là-bas, je conduisais tout simplement. I can go for 20 hours driving non-stop. Je fais conduire pendant 20 heures conduisant sans m'arrêter. But yesterday. Mais hier, yesterday, hier, they can bear us witness. Mais ça passe en témoin. We spend money for no good cause. On a dépensé l'argent pour des raisons inutiles. Car we're giving a lot of heat. Le car, la voiture avait beaucoup de chaleur. Il y avait beaucoup la chaleur que posait la voiture. God really want us to be here. Dieu voulait vraiment qu'on soit ici. Do you know this morning that the phone was discovered by that boy sent to me? Est-ce que vous savez que ce matin que la faute a été découverte par le garçon que le pasteur m'a envoyé? He sent me a brother. I don't know if he's in here. Le frère Michael, il just savait tu dois là. He sure is a big driver. C'est un grand chauffeur, le frère Michael. When I told him what happened yesterday, the whole day yesterday. Quand je lui ai dit ce qui s'est passé depuis hier. He said, start the car. Il a dit, comment la voiture? Start the car. Je démarre la voiture. But the engine is well sound. Le moteur. Bien correct. What does the meat the car to get overheat? Mais qu'est-ce qui produit dans la chaleur? He stood and was looking and looking and looking. Il s'est arrêté là, regardé, observé. He saw water coming out from a pipe. Et il a vu l'eau qui coulait d'un tuyau. With the mechanic losing the pipe and did not tie it well. Le mécanicien avait dévisser le tuyau et n'avait pas bien attaché. That's the error. C'était l'erreur. That car could have given us an engine break. Le moteur pouvait couler comme ça. But God save us. Mais Dieu nous a délivrés. Shout a big amen. Amen. Please open with me your Bible in the book of Isaiah 61. Ouvre ta Bible avec moi dans Isaïe. Quickly. Rapidement. You can read for me. Tu peux lire pour moi. Read verse 1, only verse 1. Of dis seulement le verset 1, Esaïe 61. Rapidement, qui est là? Have seven people talk to this evening. J'ai 7 personnes à parler ce soir. I don't know if you're the one. Je ne sais pas si tu l'appelles. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Yeah. The spirit of God is upon me. Car l'esprit m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. The spirit of God have anointed me to carry good news to the useless ones, to people who have been delayed in life.
I think I'm among them this night. If anybody delay you, I came with a good news that the Spirit of God is about sitting on you this night. Si quelqu'un t'a retardé, je suis venu te dire que l'Esprit de Dieu est sur le point de te délivrer. The Spirit comes upon you. Hey! Quand cet Esprit vient sur toi, I don't know who sits on you. Je ne connais pas qui est assis sur toi. If anybody sits on you, cannot sit on that. Cannot sit because the Holy Ghost is more than the power of the man on you tonight. Si quelqu'un s'assoit sur toi, elle ne peut pas, il ne peut pas. The Spirit of the Lord is upon me. L'Esprit du Seigneur est sur moi. I don't know if you understand what I'm saying. God is mighty to another. His Spirit is upon us. Dieu nous dit que son Esprit est sur nous. Uh-oh, you didn't hear. If the Spirit is upon you, si l'Esprit est sur toi, you're going to carry out the Spirit. Tu deviens le porteur de son Esprit. You're a carrier of heaven. Ça veut dire que tu es le porteur du ciel. You're a carrier of the host of heaven on you. Ça veut dire que tu portes la messe sur toi, sur la terre. So who will stop you now? Alors qui pourra donc t'arrêter? Qui sera capable de s'asseoir sur toi? Quiconque est assis sur toi sur le point de te laisser. Any man that sat on you. Toute personne qui s'est assise sur toi. Maybe yesterday. Que ce soit hier. And maybe 2012. C'était en 2012. Tonight. Cette nuit. You see how they will run out of you. Tu vas voir comment ils vont sortir de toi. And my topic is. Et mon thème c'est. Can you allow the Holy Ghost to sit on you? Peux-tu permettre au Saint-Esprit s'asseoir sur toi? Can you allow God to sit on you? Peux-tu permettre à Dieu de s'asseoir sur toi? Sit down. Assieds-toi. Sit down. Assieds-toi. The Bible says. La Bible dit. The Spirit of the Lord is upon me. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Upon who? Upon this church? Sur cette église? No! Non! Upon this church? Sur cette chaise? Non! You are a carrier of the Spirit of the Most Highest God. Tu es le porteur de l'Esprit du plus grand Dieu. It is on you now. Et sur toi maintenant. You carry it for signs and wonders. Et tu portes cet esprit pour des signes et des prodiges. You carry to perform the same way Jesus was performing. You perform the same way. De la même manière que Jésus rendait ministre, Jésus rend ministre de la même façon. Because he is our role model. Parce qu'il est notre modèle. He is our role model. Il est notre modèle. Acte 10, 38, dit quoi? Who can read for me, please? Acte 10. Quelqu'un de nous lit rapidement Acte 10, 38. Could you please? Rapidement. Let me help you. Que je vous aide. Say neighbor help me. Dis voisin aide-moi. Say neighbor help me. Dis voisin aide-moi. Oh, you don't hear what I'm saying. Dis à ton voisin, voisin aide-moi. Say neighbor help me. Dis voisin aide-moi. Let me hear the word of God. Que j'écoute la parole de Dieu. And you cannot hear the word of God and go back the same. Et tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et rentrer la même personne. The Spirit of the Lord is upon me. L'Esprit du Seigneur. Seigneur est sur moi. He has anointed me. Oh, il God. M'a oint. He has anointed me. Il m'a oint. He has anointed me. Il m'a oint. To be a carrier of God's message. Pour être porteur du message to de Dieu. People like you and the whole world. Pour des gens comme toi et le monde entier. I don't know if you know that you are anointed these days. Je ne sais pas si tu connais que tu es oint. If the Spirit comes upon you, you must be anointed. Si l'Esprit vient sur toi, tu seras automatiquement oint. Comes upon you, nobody stops you. Si vient sur toi, personne ne peut t'arrêter. The Spirit of God, not that of the enemy, the Spirit of Jehovah overdo. If it's on you, l'Esprit du Seigneur Jehovah te fait et sur toi. Da. The footsteps. Il conduit tes pas. Open your eyes to see what others doesn't see.
Il ouvre tes yeux pour que tu vois ce que les autres ne voient pas. Give you grace for overcomers. Il te donne la grâce pour être vainqueur. It makes you become unstoppable. Il te rend instoppable. It makes you become unkillable. Il te rend intuable. It makes you become undeniable. Il te fait être quelqu'un qui ne peut pas refuser. What is that? The spirit of the most highest God. L'esprit you du Dieu très haut. That spirit and remain the same. Tu ne peux pas porter cet esprit et demeurer la même personne. I don't want people to carry it tonight. Il ne sait pas combien de personnes portent cet esprit cette nuit. Point it to come upon them tonight. Il ne connaît pas combien de personnes vont être ce soir. When I was coming from Nota, I saw seven people. Quand je venais de mon hôtel, j'ai vu sept personnes. And God told me seven. Et Dieu m'a dit c'est sept personnes. I want to release grace upon their lives. Je vais relâcher la grâce dans leur vie. I don't know if you are among these seven. Il ne sait pas si tu fais partie des sept. Just get your mind set for it. Prépare-toi la pensée par rapport à cela. Your mindset is where it takes you away to go. C'est là ta pensée qui te congèle où tu dois partir. You might be holding your Bible, but don't know what the Bible talks about it. Tu peux avoir la Bible en main sans savoir de quoi la Bible parle. But when the Spirit comes, mais quand l'Esprit vient, it will direct you. Il conduit tes pas. Through you. Il va parler à travers toi. Give you grace for open doors. Il te donnera la grâce pour des portes ouvertes. Tell you are a man and not an animal. Il te dira que tu es un homme et non pas un animal. Oh, you didn't hear what I'm saying. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. How many of you want that spirit to sit on us this night? Combien d'entre nous voulons que cet esprit s'assied sur nous ce soir? How many of us? Combien d'entre nous? We'll not lay hands on you. Oh. Ne poserons pas la main sur vous. Oh. That age has passed. Cet temps est déjà dépassé. That age to speak God's word. C'est le temps de parler la parole de Dieu. Accept His word. Accepte sa parole sit in you. Et il s'assoit sur toi. Makes you when whoever he was inside of you. Il fait acheter quiconque était au-dedans de toi. You see him manifesting and leaving you quietly. La personne se manifeste laisse tranquillement. Shout a big amen. Crie un grand amen. Shout a big amen. Crie un grand amen. Shout a big amen. Crie un grand amen. Acte 10:38. Comment Dieu ou notre de modèle Jésus? God anointed our role model Jesus. Comment Dieu ou notre modèle Jésus? With the same spirit that is was upon him. Avec le même esprit qu'il était sur lui. If God did not anoint him, si tu n'y avais pas ou un, no, if God did not allow his spirit comes upon him, si tu n'avais pas permis que son esprit vienne sur Jésus, Jesus did not allow his spirit comes upon him. Si Jésus n'a pas accepté ce que l'Esprit vient sur lui, would not have anointed him. Je n'y aurais pas un. Most of us are running from the presence of God. How will God anoint you? Certains d'entre nous fuyons la présence de Dieu. Alors comment Dieu va-t-il te oindre? Most of us want to be Christian with mouth, not Christian in the heart. How will God anoint you? Certains d'entre nous sommes chrétiens de bouche, non de cœur. Comment Dieu pourra donc te oindre? 20 years, you are the same. 20 ans, tu es pour pareil. 10 years, you are the same. 10 ans, tu ne changes pas. You never cannot distinguish you, you are a Christian. Ton voisin ne pas dit si tu es chrétien. Where the Spirit of God upon your life. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi. If it's not there, you cannot be anointed. Si il n'est pas là, tu ne peux pas être où. And when the Spirit comes, eventually you must be anointed. Quand l'Esprit vient, tu dois être un. Hey, we don't buy them in the market. On ne l'achète pas au marché. Hey, we don't buy them from pastors. Nous n'achetons pas au pasteur. God giving gift for everyone that c'est le don de Dieu pour tout chacun. It's a God giving gift for open doors. C'est le don de Dieu pour les portes ouvertes. Believes him. Pour celui qui croit en lui. Please sit on him. Et accepte que son esprit s'assied sur eux. Life must change. Ta vie doit automatiquement changer. Life must change. Ta vie doit que changer. Even if you shout a big hallelujah. Pouvoir nous crier un grand hallelujah. When Jesus was anointed. Ta
Quand Jésus était où? The Bible says he went everywhere. La Bible dit qu'il allait partout. And he was doing good. Et il faisait du bien. Healing the sick. Guérissant le malade. Casting out demons. Chassant le démon. Raising the dead back to life. Ressuscitant les morts. How many of us have cast out demons if we are Christians? Combien d'entre nous avons chassé les démons si nous sommes chrétiens? Anointed. Parce que nous ne sommes pas one. You eat with demons and demons are very happy. Tu manges avec les démons sont très contents. Personne n'est dans ton quartier si tu es né de nouveau. Non. Dude, I was watching over news. Aujourd'hui, regardez le journal. I watched television in Yaoundé. J'ai voyé la télévision à Yaoundé. And I saw a general in our service. I saw him. Et j'ai vu un général dans notre armée. He's the priest. The principal administrator of prison. Okay, il est l'administrateur principal de la prison. And maybe he worked one time. I don't know if he works in here in Bab Sam. I don't know. Je ne sais pas si là il a travaillé à Bab Sam. When I was a warder, quand j'étais gardé prisonnier. Listen to me. I just started yesterday. I started well. Je n'ai pas commencé hier, j'ai bien commencé. J'étais garde prisonnier. Who knows that? Qui connaît ça? How many here are warders here? J'ai déjà travaillé ici à Bafoussam. But no, I have no work here. Non, pas ici. But I left the base as a warder. Mais j'ai laissé mes pas comme garde prisonnier. And I told my boss, the boss. Et j'ai dit à mon chef. I'm not a warder. Je ne suis pas un garde prisonnier. The man that is in this too big than you. La personne qui est à moi est plus grande que toi. Me, tu n'es pas m'intimider. Tu n'es pas encore né. Je suis homme de Dieu. In the next 21 days. Dans les 21 jours qui suivent. I give you 3 prophecies. Je te donne 3 prophéties qui vont s'accomplir. Number 1 in 7 days you'll be transferred. Numéro 1, dans 7 jours tu seras affecté. In 14 days you'll be demoted. Dans 14 jours tu seras licencié. In 21 days from today I will not honor you respect you again. Et d'ici 21 jours d'après on t'honorerait comme chef. And whatever you want to do, start doing it now. Nonsense. Come on again. Whatever you want to do, start doing it now. Nonsense. C'est ce que tu vas faire, commence à le faire maintenant. I didn't learn. On him or was in his office. Je n'ai pas imposé les mains sur lui lors de son bureau. I don't have that time. Je n'ai pas ce temps. I cannot go and lay hands on him. The boss, 4 stars. Comment pourrais-je imposer la main sur lui? C'est un chef 4 étoiles. And I have 3 V. Et j'avais 3 V. I cannot hold him my hands, but do that I will shut up. Comment pourrais-je l'arrêter avec la main sur le père? I spoke God to him. J'ai parlé Dieu à lui. And heaven was open. C'est au ciel était ouvert. The Holy Ghost came down. Le Saint-Esprit est venu. Rule my boss to 4 stars. A renversé mon chef qui avait 4 étoiles. Rule him from his seat to the floor. L'a renversé sa chaise sur le sol. Et il est couché, paralysé. Put you stand up. Incapable de se tenir debout. And he begged for help. Et il a demandé de l'aide. And what has came and carry him to the hospital. Des prisonniers venus transporter à l'hôpital. Je vais partager cette parole avec toi ce soir. Permet the Holy Ghost to sit on you. Permet au Saint-Esprit s'asseoir sur toi. Permet the Holy Ghost to sit on you. Permet au Saint-Esprit s'asseoir sur toi. La church to sit on you. Ne permet pas à l'église s'asseoir sur toi. Mais que le Saint-Esprit s'asseoir sur toi. If Allah part to sit on you. Si tu acceptes ton passé s'asseoir sur toi. In time of difficulties, tu seras sans aide au temps de difficultés. You put the disgrace in time of shame. Tu seras dans la honte au temps de difficultés. If the Holy Ghost sit on you, est-ce que tu permets le Saint-Esprit sur toi? One, you're untouchable. Numéro un, tu es intouchable. You're unstoppable. Tu es instoppable. You're unkillable. Tu on ne peut pas te tuer. You're undeniable. On ne peut pas te refuser. If you permit the Holy Ghost, tu permets au Saint-Esprit on you. De s'asseoir sur toi. I don't know how many people want you to sit on us this evening. Je ne sais pas combien de personnes avec un Saint-Esprit s'asseoir sur toi. How many people? Combien
de personnes? How many people? Combien de personnes? Why the Holy Ghost sit on us? Car le Saint-Esprit assoit sur nous. No, we are not talking God by just talking words with proof. Ne parlons pas Dieu de lèvres, on parle avec des preuves. Hello, these few days that we shall be here. C'est pas de ce que nous serons ici. I don't know if you love us to stay with you for this. Je ne sais pas si tu aimerais que nous puissions être avec toi pendant ces jours. Can we cooperate together? Est-ce qu'on peut coopérer ensemble? Is this Bible my Bible? Est-ce que cette Bible est ma Bible? Is it your Bible? Est-ce ta Bible? Do you believe what is that Bible? Est-ce que tu crois ce qui est dans cette Bible? For you? Que c'est pour toi? It says. Elle me dit. How God anointed. Comment Dieu a oint. Has he also anointed you too? A-t-il oint aussi? Question we have in church today. La question que nous avons à l'église aujourd'hui. Has God anointed you? Est-ce que Dieu t'a oint aussi? If he anointed you, you cannot remain the same. Si t'a oint, tu vas rester la même personne. When people see you, quand les gens te voient, they see the creator inside of you. Ils voient le créateur à l'intérieur de toi. You speak heavenly language. Tu parles langage céleste. People see God action vis to vis. Les gens voient Dieu action face à face. Dis voisin. Don't disturb me for these few hours I'm here now. Ne me perturbe pas pendant ce peu de temps que je suis ici. God is sit on me. Je veux que Dieu s'asseye sur moi. Brother, I came to translate God into your life. Frère, je suis venu transporter Dieu dans ta vie. I'm ready. Combien de personnes sont prêtes? I'm ready. Combien de personnes sont prêtes? How many are ready? Combien de personnes you sont prêtes? You are not paying no money. This verse is for you and I now. This Bible is for you and I. It's tu ne payes pas de l'argent pour cela. Cette Bible c'est pour toi et moi. The difference is you don't read, you don't understand, and you are not. You don't want to see God in action in your life. La différence c'est quand tu ne lis pas